Bonjour, cher réseau Facebook, réseau à distance. Je laisse quelques instants pour Facebook, pour le système 2, vous informer que je suis en ligne. Et donc, je suis en direct à Nantes. Ah, hey, voilà mon pote derrière, l'éléphant. Ouais, vous ne voyez peut-être pas trop, je l'ai mis en photo en story. Et donc, ici, ce sont les machines de Lille. Et là, donc, c'est la galerie, les nefs. Ce sont les anciens chantiers, l'ancien chantier naval de Nantes, les anciens chantiers du Bigeon où ont été construits plusieurs paquebots. Donc Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur, qui accompagne les femmes à déployer leurs ailes, à vivre les rêves qu'elles ont laissés cachés, un petit peu planqués pour s'occuper d'élever les enfants, de la famille, etc. Et donc ce matin, je me suis fait 2h30 de kiff en participant à une réunion Business Network International, BNI, un réseau d'entrepreneurs pour faire connaissance avec plein de personnes nouvelles, connectées. Et donc, c'est génial et c'est ce que je souhaite vous partager avant, c'est le plaisir avant tout. C'est vraiment apprendre à se faire plaisir. Quand j'étais maman et que j'avais mes enfants, bug un peu. Quand j'étais maman, c'était pas le plaisir en fait. C'était il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'était le il faut toute la journée et pas le truc qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me met le sourire. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de lourdeur. Et donc là aujourd'hui, j'ai partagé justement aux personnes que j'ai rencontrées pour me présenter que justement mon kiff du taf, du métier que je fais en tant que mentor. C'est justement aux personnes de pouvoir faire cet effet pop-up, de se dire « Ah ouais, d'accord, ok, je peux faire ça, je peux le déployer. » Et comme j'expliquais à Julien juste avant de partir, je dis « je leur mets pas un coup de pied au cul du tout. » C'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que la personne, je vais l'accompagner pas à pas à déployer au début ses ailes. Coucou, bienvenue sur le live. Je vais l'aider au début à déployer, à se remettre en route. Et après, oui, on va pouvoir avancer en lui donnant des informations, des tips, des choses à connaître, à savoir et à mettre en œuvre. Mais au départ, non, surtout pas donner le coup de pied aux fesses. On va donner envie. Et c'est comme ça que la personne, elle peut évoluer. C'est en lui donnant envie d'avoir une autre vie, d'avoir autre chose, de faire autrement et d'être autrement. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de « il faut, tu dois », ça, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc donner envie. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureuse de vous le faire ici parce que justement, cet éléphant, il est un peu le symbole nantais d'un rêve qui s'est réalisé puisque les personnes qui ont imaginé cet éléphant, elles ont imaginé plein d'autres animaux. Elles ont conçu le carrousel que vous avez vu, je vous l'ai mis en story. Et il y a le grand héron que j'ai partagé ce matin. Et le grand héron va être mis sur un très grand arbre dont une petite partie est ici. Je vais vous la montrer, je vais vous la partager. Voilà, je suis très très fière d'être nantaise parce qu'il y a plein de belles choses à Nantes. C'est vraiment une très belle ville. Voilà, hop, je vous montre un petit bout de l'arbre. Voilà, enfin la façon dont ça va être. Voilà, donc c'est un arbre métallique végétalisé avec des animaux extraordinaires qu'il y aura dedans, etc. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais rejoindre ma voiture pour rentrer et mettre ma deuxième casquette après m'être connectée sur LinkedIn pour me mettre en relation avec toutes les belles personnes que j'ai rencontrées ce matin. Allez, bye, bonne journée.